Ouais, bien sûr. On savait qu'on allait dans un endroit qui était très dur à aller jouer, même pour une équipe de Super League. Donc avec une équipe rajeunie comme ça, on savait où on allait. Donc justement, on savait ce qu'il fallait faire, qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait rien leur laisser. Et franchement, ouais, le score est un peu lourd, mais niveau intensité et effort, on a été présents malgré le manque d'expérience. Mais donc tout le monde est très content. Ouais. Ouais, ça change un peu, parce que d'habitude tu y es et tu dois suivre l'exemple des papas qui ont des gros matchs de Super League. Et là, de se retrouver au milieu de plein de débutants, ça change un peu, le rôle change. Faut essayer de montrer l'exemple. Donc ouais, le rôle il change, mais c'est bien, ça change de responsabilité et je suis content d'avoir eu cette responsabilité-là. Ouais, Steve était très content de la performance d'aujourd'hui. Il avait demandé, enfin on a réalisé tout ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire de jamais baisser les bras, d'être dur et il était très content. Oui, carrément, quand j'étais petit, je venais au stade, je venais voir Thomas, Rémi Castilly, tout ça. Je rêvais de jouer un jour en Super League. Et là, aujourd'hui, en plus avec la manière, on réalise un bon match avec toute l'équipe. Franchement, c'était énorme. Oui, le score est lourd, il transforme tout, 8 sur 8. Après, on s'est donné, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour encaisser autant de points. On disait, on prenait bloc par bloc, 10 minutes par 10 minutes. Et on se donnait à fond pour pas prendre trop de points et rendre fier tout le monde. L'objectif, c'est de faire le plus de matchs possible en Super League. On en est très loin. Comme l'a dit le coach, il faut rester humble. Et maintenant, à nous de travailler dur chacun pour un jour refaire un match en Super League. Ah oui, c'est énorme. Déjà 10 joueurs qui débutent en Super League, c'est magnifique. Maintenant, à nous de travailler dur pour y retourner. Comme tu dis, c'est un boost énorme. Ouais, vraiment, c'est une journée incroyable, dans un stade incroyable, en plus avec un groupe, on se connaît tous, c'est vraiment un truc de fou, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux aujourd'hui. C'est vraiment un rêve éveillé, je pense qu'on attendait ce jour depuis longtemps, on travaille tous dur pour ça, et on a eu l'opportunité aujourd'hui de montrer ce qu'on savait faire face à ce public, face à ce stade, face à cette équipe. Je pense que c'est une équipe mythique de Super League, c'est le club mythique de Super League, c'est incroyable. Et franchement, se régaler, c'est un truc de fou, vraiment. On a eu beaucoup de soutien, mais je pense que les gens aussi nous voyaient vraiment prendre l'eau, surtout devant, prendre l'eau sur les extérieurs, partout, dans tous les domaines. Je pense qu'on a répondu présent, surtout par l'envie. On s'est dit dans les vestiaires, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. On est arrivé avec cette niaque, ce groupe, et je pense qu'on a montré déjà, on a pris moins de 50 points. Déjà, c'est vraiment incroyable. Il met toutes les pénalités, donc ça rajoute un score qui est un peu lourd. On sait tous du ça à la fin du match. Je pense qu'on a 2-3 occasions qu'on doit mettre. Ça aurait réduit le score, mais je pense que c'est vraiment, vraiment incroyable. On est tous fiers de nous. Et surtout sur les efforts. Je pense qu'on s'est dit, collectivement, ça va être compliqué. Donc, si tout le monde y met du sien, si tout le monde se donne, tout le monde se tue, finit mort ensemble, finit tout ce chaos, je pense qu'on peut faire vraiment un bon truc. Et je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir, même si le score est un peu lourd. Vraiment, je pense que, comme il a dit Steve, on a travaillé dur pour être ici, mais on doit encore continuer encore à travailler dur puisqu'on a vu ce que c'était vraiment le top niveau. C'est vraiment, vraiment le top niveau du rugby à 13. Donc je pense que faut se même si on a fait vraiment une bonne prestation, il faut direct se remettre en question après et continuer à travailler encore plus dur que ce qu'on a travaillé déjà. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est quelque chose de bien, mais il faut vraiment prouver encore plus.